La majorité de l'Algérie n'est pas concentrée à Tizouzou, à Bgayeux. La majorité de l'Algérie est partout en Algérie. Elle est dans les OS, elle est dans le Mzab, elle est dans le Hougar surtout. Elle est à l'ouest de l'Algérie, elle est à l'est de l'Algérie. La Kabylie n'est qu'une petite surface. Et avec toutes les migrations que nous avons vécues, que la Kabylie a vécues, même plus que les autres régions. Et avec la mixité, avec les langues. Pour l'amour de Dieu, protégez l'Algérie. Protégez l'Algérie surtout des... Évitez le sang, évitez la guerre. Parce que nous sommes sûrs, nous sommes quasiment... Nous pouvons faire la démonstration qu'un autre mouvement, un cycle de déstabilisation collective des pays arabes, t'en vois. Arabt Murthy, et c'est Murthy, Azul Flawen, Oulad Bladi, Oulad Bladi. Désolé, nous allons parler en français, nous ne pouvons pas soutenir, que ce soit en kabyle ou en damazigh ou en arabe, nous ne pouvons pas soutenir la discussion. Donc, notre intervention portera sur après la déclaration du chef d'état-major, sur certaines manipulations étrangères, en particulier sur le slogan pouvoir civil et non militaire. Nous pensons qu'avec les derniers événements qui se sont produits en Algérie, la situation est devenue plus grave. Donc, les conditions d'enregistrement sont un peu difficiles. Là, nous n'avons pas beaucoup de temps pour ça. C'est un slot restreint qui nous a été accordé. Donc, avant tout, c'est en 2016 que nous avons publié le papier « La peur d'une révolution pacifique et la voie pour la guerre ». C'est un texte que nous avons signé pour le Centre de recherche sur la mondialisation. Et nous pensons qu'il a été repris par un journal en Algérie. Et la même année, nous avons signé un autre papier sous le titre le destin de l'Algérie est chez les moins de 30 ans. Donc maintenant, nous sommes en juillet 2019, nous sommes le 15 juillet 2019, nous les avons tous les deux. Hein. Nous avons une guerre, notre patrie qui est en guerre, et le destin de l'Algérie est chez les moins de 30 ans. Donc là, globalement, c'est les moins de 30 ans qui manifestent, appuyés pour les plus âgés. Donc, en signalant nos deux textes publiés en 2016, il y a d'autres textes que nous avons publiés antérieurement et d'autres textes que nous avons publiés après pour le Centre de recherche sur la mondialisation. Donc, dans la suite, nous n'allons pas faire dans la demi-mesure. Nous allons interpréter certains événements tels qu'ils sont. Nous, pour les printemps dits arabes, hein, Maroc, Tunisie, Égypte, notre compatriote Ahmed Ben Saada a écrit un livre, le livre Arabesque américaine. En venant lors de ses séjours en Algérie, bon, il a été interviewé par les chaînes de radio, la télévision, je pense. Il a eu une couverture médiatique et c'est un travail méritoire, c'est un travail de première qualité qu'a fait notre compatriote Ahmed Ben Saada, avec qui nous avons eu le plaisir de prendre des cafés à Montréal, ici même à Montréal, et nous avons discuté sur le contenu de son ouvrage. Excellent travail d'enquête, de l'information, de la source de l'information, de la naissance des événements. Excellent travail. Mais malheureusement, dès qu'il s'agit de l'Algérie, s'agissant de l'Algérie, notre compatriote Ahmed, entre parenthèses, je te salue, c'est le blackout total. Nous-mêmes avons signé deux textes, en plus des textes que nous avons signalés là, hein, La peur d'une révolution pacifique et le destin de l'Algérie chez les moins de 30 ans, nous avons signé d'autres textes en rapport toujours avec la situation de guerre en Algérie. Hein. La guerre, c'est une guerre hybride. Actuellement, c'est le niveau soft power, mais reste le niveau hard power. Donc après la déclaration du chef d'état-major et les différents discours du président de la République actuellement, nous voyons que l'Algérie ne va pas
n'est pas dans une impasse, elle est dans un abîme. Maintenant, il y a dans l'abîme dans lequel l'Algérie se trouve, a pourrait être l'abîme dans lequel se trouve l'Algérie pourrait s'arrêter là, hein, la descente aux enfers pourrait s'arrêter parce que nous voyons un peu de lumière. Maintenant, si ça continue comme ça, nous risquons d'aller dans la situation de la Libye, nous risquons d'aller dans la situation du Soudan. Et de l'Égypte qui commence à chauffer là. Donc, avant d'aller dans le direct là, dans le corps de la déclaration du chef d'état-major et d'autres informations que nous disposons relativement, en particulier celle dernière déclaration à la pièce du ministre des Finances sur l'arrêt temporaire de la pompe à finance, là, de la pompe à fric, de la planche à billets, hein, de quantitative easing. Il a fait une déclaration dans laquelle il a dit que c'est un arrêt momentané qui demeure un levier important et non l'unique. En d'autres termes, là, il a dit que nous allons recourir à la planche à billets après. Et il y a d'autres mécanismes. Nous pensons qu'il s'agit de l'endettement international, puisqu'il a commencé avec la Banque africaine de développement. Nous allons revenir sur ces aspects. Donc, nous allons commencer par deux CD. CD Hotel Rwanda. Il parle du génocide du Rwanda, Tutsi, Hutu. Le génocide du Rwanda s'est déroulé durant l'été 94. Il a duré à peu près 4 à 5 mois. Hein. Le génocide, il a duré 4 à 5 mois. Donc, en visionnant ce film, ou bien des extraits de ce film sur YouTube, ou bien vous pouvez le pomper via le web, vous allez voir que certaines situations vécues au Rwanda ressemblent à des situations en Algérie. La corruption au vu et au su de tout le monde. Vous allez voir le comportement des généraux du Rwanda. Vous allez reconnaître un général des forces du maintien de la paix de l'ONU. Bon, dans le film, c'est une fiction. C'est une fiction basée sur un fait réel. Hein, sur un fait réel, c'est ce qui s'est passé dans un hôtel. Mais bon, pour le général, il s'agit d'un général canadien, donc nous pensons qu'il fait allusion au général Roméo Dallaire. Et vous allez voir des généraux de l'armée du Rwanda, comment ils discutent, comment se font les affaires. L'autre événement, tout à fait au début de ce film, c'est une action immense qui explique tout, du moins qui explique une bonne partie de ce que nous vivons en Algérie. Vous allez voir l'acteur principal qui lance un appel à Amnesty USA. Et vous allez l'entendre dire Soudan. Et vous voyez ce qui se passe après la partition du Soudan dans le début des années 2010-2011. Regardez ce qui se passe en 2019 hein, au Soudan et Sud-Soudan. Donc c'est un film très important à voir, du moins, il vaut la peine d'être vu, il est sous-titré en français, bon, pour l'aspect droit international humanitaire, chapitre 6 et 7, comment on fait des opérations de maintien de la paix, etc. Ça, c'est un peu complexe, expliqué dans une intervention comme ça, mais lui, il est relativement aisé pour nous. Deuxième film. Il s'agit de Russell Crowe dans A Beautiful Mind. Il s'agit d'un film qui retrace la vie de John Forbes Nash. John Nash est un prophète en mathématiques. Schizophrène. Il a eu tous les prix en mathématiques, les prix Nobel en mathématiques. Il a eu le Nobel d'économie hein, avec une thèse de 21 pages. Et c'est un schizophrène. Vous allez voir tout
dans ce film. Bon, certains faits n'ont pas été racontés, dans ce film. Hein, certains éléments très importants dans la vie de John Nash n'ont pas été racontés. Bon, il s'agit d'un film, juste, il ne faut pas raconter tout. Ils n'ont pas raconté, par exemple, sa rencontre avec John Van Neumann, l'autre dieu des mathématiques. Bon, une scène avec le président de l'université de Princeton qui a refusé de l'engager. Ils n'ont pas parlé d'une autre scène un peu plus coriace concernant certaines démonstrations mathématiques en relation avec la géométrie sphérique. Hein. Géométrie sphérique. Vous allez voir dans ce film l'immensité, un schizophrène et l'amour que lui a porté sa femme. Vous allez voir, il y a des scènes insoutenables, du moins dans notre cas pour nous, elles étaient insoutenables. Par exemple, il a oublié son bébé, un garçon dans la baignoire avec l'eau qui coule alors qu'il était en pleine crise. Vous allez voir l'acharnement thérapeutique des psychiatres sur lui. C'est un schizophrène, c'est un génie, hein, c'est un prophète en mathématiques. Ben, donc vous allez voir. Vous allez voir des moments de lucidité, de passion. Quand il est lucide, il est calme, il est amoureux, il est à la limite de supplier sa femme pour lui pardonner ses scènes. Mais vous allez voir la résistance, la dignité de son épouse. Mais vous allez voir deux scènes. Une tentative d'assassinat de John Nash Jr. De John Forbes Nash. Tentative d'assassinat. Nous connaissons la théorie de John Nash. Nous ne savons pas si c'est un coup monté ou réellement une tentative d'assassinat. Parce qu'il a été pris par ce qui est appelé l'état profond des États-Unis, hein, pas par la CIA ou la NSA, la National Security Agency, ça peut par des organismes plus forts que ces deux-là, hein, dans lesquels lui ont posé la question. Connais-tu Oppenheimer? Oppenheimer, il est considéré comme étant le père de la bombe atomique. La réponse de John Nash, vous l'aurez. Mais vous allez entendre, faites attention, du moins concentrez-vous sur le petit échange. Le monsieur qui lui a posé la question lui a dit, je suis son maître. C'est les services secrets, les plus secrets des États-Unis d'Amérique. Et vous allez voir un petit peu cette scène. À partir de là, vous allez construire la tentative d'assassinat. Est-ce qu'elle est vraie ou pas vraie? Est-ce un simulacre pour qu'il demande la protection de ses services secrets et ainsi être contrôlé? Vous allez voir des scènes horribles. Mais c'est John Nash. Hein, il est mort, ça fait 3 ans, 4 ans. Il est mort dans un accident de circulation tout à fait bête, ordinaire, rentrant d'Angleterre. À l'aéroport de New York, en prenant le taxi pour rentrer chez lui, un accident de circulation banal, est mort. Donc, le Rwanda en 94, nous avons parlé, l'Algérie, vous allez vous rappeler, l'Algérie des années 90, les actuels manifestants sont jeunes, hein, c'est la génération de 88 qui est arrivée là, hein, 88, 98, 2018, 30 ans, donc ils étaient des enfants, donc voilà. Autre élément, nous avons l'impression que les journaux algériens, les médias algériens ont reçu instruction de ne rien révéler sur l'un des plus grands réservoirs de dioxyde de carbone qui est à Ain Salah. Ça, c'est la première. Nous avons l'impression qu'ils ont reçu des ordres pour ne pas poser la problématique de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et en arabe pour ressouder la nation. Une peur inouïe. Et ils refusent d'enquêter, de poser des questions aux députés, aux sénateurs, à qui ils veulent, hein, qui sont les rédacteurs de la constitution algérienne. Ça, c'est le problème des médias algériens. Nous avons l'impression qu'ils sont recontrôlés alors qu'on demande la liberté d'expression, la liberté de la presse, etc. etc. Bon, ben, ce sont des questions relativement simples. Rappel.
Actuellement, le mouvement qui se produit en Algérie s'appelle le mouvement Hirak. En Maroc, en février 2011, un même mouvement est né via Internet et qui s'appelle le mouvement Hirak. Nous savons, après le Hirak de 2011, il y a eu Al-Husseima, le RIF, hein, en 2016, avec sa figure apparente, c'est Zefzafi. Donc, les appellations se ressemblent. Actuellement, en Égypte, il y a un autre mouvement qui, apparemment, va se déclencher. Donc, nous allons essayer, si nous avons le temps, nous allons parler sur la relance éventuelle des mouvements de printemps arabe global, hein, parce que la séquence des mouvements de soulèvement dans les pays arabes, pays par pays, n'a pas donné les résultats espérés pour ceux qui les veulent. Hein. Et si les résultats espérés n'ont pas été atteints, c'est grâce à la résistance des Algériens dans la paix et la dignité, malgré toutes les souffrances qu'ils endurent. Ce genre de mouvement, généralement, ils s'éteignent rapidement. Ils se basent sur la rupture entre les populations et le pouvoir politique ou militaire dans le cas de pays africains. C'est le premier élément. Le deuxième, sur la jeunesse. Et ils se basent aussi sur la réalité des problèmes soulevés. Ils sont vrais. Les problèmes sont vrais. Donc, l'adhésion sera instantanée. Mais les bénéfices seront au profit des pays qui les ont déclenchés. Vous n'avez qu'à voir le Soudan et l'Égypte. L'autre mouvement, c'est l'autre pays qui souffre, c'est le Mali. L'autre pays qui est en voie de partition. Hein. Nous pouvons vous raconter tout ce que vous voulez sur la Libye, mais c'est la partition de la Libye qui est en cours entre la Libye de l'Est, la Cyrénaïque, et la Libye de l'Ouest, qui est la Tripolitaine, hein, c'est-à-dire celle qui vient avec l'Algérie. Et vous avez un problème immense qu'on appelle la bande d'Aouzou. Ça, c'est un autre problème que nous n'allons pas traiter maintenant. Donc, à nos chers frères et sœurs d'Algérie, compatriotes, ceux qui aiment l'Algérie, dans le sang là, ils aiment l'Algérie. Donnez le temps à la paix. Donnez le temps à la négociation, donnez le temps à des discussions, acceptez toutes les offres de dialogue, construisez le dialogue comme vous le voulez, mais allez-y vers le dialogue. À ceux qui aiment l'Algérie, et tempérez, arrêtez ces manifestations parce que c'est la violence qui s'en vient à travers la déclaration du chef d'état-major. Avant d'aller vers l'Algérie, nous allons voir un petit peu quelle est l'influence. Bon, l'influence des États-Unis, elle est claire. L'influence de la France, nous allons essayer de l'expliquer un peu mieux. Aujourd'hui, il nous semble que l'ambassadeur de France s'est exprimé en Algérie. Bon, l'ambassadeur de France en Algérie s'est exprimé. On s'en fout, là. Mais avant, il y a la France, d'après Yanis Varoufakis, vous pouvez le lire à travers des livres académiques, des articles assez profonds, là, pas d'autres domaines. La France est le prochain pays à fuir en Europe. La France sera un pays, c'est le pays à cuire, là. À Fkhloun. Pourquoi? Parce que l'Europe est dans un état stationnaire, la dette souveraine française est insoutenable, et il y a les mouvements d'extrême droite qui sont dans les autres pays, l'Autriche, l'Italie, etc. Il y a la remontée de l'Espagne et du Portugal d'un point de vue économique, il y a la monnaie européenne, l'euro qui commence à poser des problèmes très graves en termes d'équilibre. Pour ça, lisez Stiglitz, et l'autre Nobel d'économie, là, même s'il qualifie la zone euro de zone optimale, Et donc la France a été chassée de la Guinée équatoriale, d'autres pays d'Afrique équatoriale, là. Elle a été chassée, donc elle remonte vers le nord.
les États-Unis et l'Angleterre la poussent vers le nord. Donc la France, dans la situation économique et politique dans qui sont les siennes, doit protéger ses sources d'approvisionnement en maintenant ses colonies dans un état de chantage, de domination et de soumission par le chantage. Ça, c'est... Maintenant, elle a activé. Nous avons cité précédemment des journalistes comme Edwy Plenel, Nicolas Beau, M. François Gèze. S'il vous plaît, tenez-vous, restez à l'écart. Restent ensuite les figures les plus médiatiques, telles que BHL, là, ben, dès qu'il pointera du nez. Ça veut dire que c'est très grave. Le dernier à s'exprimer, c'est l'historien dessous, là, Benjamin Stora. Monsieur Stora, taisez-vous, s'il vous plaît. Foutez la paix à l'Algérie. Vous avez l'intention d'organiser un séminaire ou une conférence sur ce qui se passe sur ce mouvement en Algérie. Faites-le. Les Algériens ne seront que plus éclairés. Les Français ne seront que plus éclairés. Si les conférenciers que vous invitez sont honnêtes intellectuellement et très solides théoriquement, vous avez participé à l'humiliation de l'Algérie, l'humiliation de l'Algérie par la France lors de la visite de votre président actuel. Quand il est venu en Algérie, vous étiez avec lui. Vous lui avez fait le tour de la maison. C'est comme si l'Algérie n'avait pas d'historien pour lui présenter les ravages que vous avez fait en Algérie. Nous n'avons pas de haine envers le peuple français. Nous avons nos amis français. Notre amour est né en France. Mais M. Benjamin Stora, arrêtez. Une certaine élite, celle qui conduit la prédation en Algérie, élite française qui conduit la prédation en Algérie, a été plus que présente, elle a été oppressante en Algérie. Vous avez les années 90 comme dessus, le président du FMI. Maintenant, dans les années récentes, depuis 2003-2004, c'est Olivier Blanchard, Jean-François Dauphin, Marie-France Nelly du GAFI, de ETF, de Financial Action Task Force. Et donc, ça, ce sont les visibles. Hein? Nous ne parlons pas des réseaux. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux et de ces réseaux. Nous savons qu'ils existent, mais leur consistance, non. Donc, M. Stora, quand nous étions en Algérie, nous lisions qu'en français des livres que nous recevions de France, de la part de nos amis, comme José, c'est un Français, un ami, comme Hervé, comme Jean. Maintenant, depuis que nous sommes en Amérique du Nord, bon, nous avons eu l'accès à la documentation anglaise. Et nous avons assisté à une conférence sur l'histoire des révolutions à Montréal, durant laquelle le professeur algérien Dahoud Jalbal a remis à leur place des professeurs d'histoire français en présence de l'une des sommités en histoire des révolutions. C'était un professeur de l'Université d'État du Wisconsin. C'était M. Stora. Et Hussein Aït Ahmed a offert à une de ses relations l'œuvre de Ageron en deux temps à une de connaissances, et nous avons eu le plaisir de la lire. Nous sommes réconciliés avec l'histoire de la révolution algérienne. Un autre élément. S'il vous plaît, arrêtez. Les Algériens doivent se mettre une fois pour toutes dans la tête que les droits de l'homme ne sont pas nés en France. Que la France n'est pas la terre des droits de l'homme et des libertés. Les droits de l'homme sont un transport, sont un transfert, sont un travail du marquis de Lafayette quand il a fréquenté George Washington et Thomas Jefferson.
les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, qui s'est inspiré de la déclaration d'indépendance de 1776. Quand il est rentré en France, il les a connus. Quand il est venu en France, avec le Condorcet, ils ont travaillé. Et vous savez, chercher, mes compatriotes algériens doivent chercher pour savoir ce qu'a fait le Condorcet. Il a cassé tout le système des élections là, pour la démocratie, d'un point de vue mathématique. Et chercher comment est-ce qu'il est mort. Donc, une fois pour toutes, les droits de l'homme ne sont pas nés en France. La Déclaration universelle des droits de l'homme, même si elle n'a été ratifiée qu'en 1981, est difficilement en France. La participation de l'ambassadeur de France aux Nations Unies lors de la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme à San Francisco n'a été que très éphémère. Stéphane Hessel a dit qu'il n'a été que présent. Bon. L'autre événement, quand vous organiserez le séminaire sur le mouvement en Algérie, là, il faudra préciser aux Algériens qu'en France, le mouvement des Gilets jaunes, d'inspiration fondamentalement américaine, l'esprit libertarien américain, et qui a été déclenché par une femme, à travers une pétition banale, basique, sur l'augmentation des tarifs de l'essence, quelque chose comme ça, qui a pris une telle ampleur. Et ensuite relayé par Steve Bannon, que vous avez refusé de recevoir en France, à qui l'une des femmes politiques françaises a rendu visite à Bruxelles. Que, en bout de course, là, c'est la France de l'extrême droite qui est passée devant pour le parti politique du président à qui vous léchez les bottes. Votre président, hyper intelligent, très ambitieux aussi. En France, c'est l'extrême droite qui est passée devant. Donc, la République en marche est devenue plus exactement la République en marche arrière, là. Et nos compatriotes algériens qui ont la citoyenneté française. Nous avons la citoyenneté canadienne et nous avons saisi les autorités politiques du Canada pour leur dire que les forces canadiennes doivent être du côté algérien. Nos compatriotes algériens qui ont la nationalité française, et ça c'est un immense avantage d'être un binational, un trinational ou avoir 10 nationalités, doivent agir au président de la France pour lui dire de ralentir le massacre en Algérie et de le freiner après et rapidement. Nous pouvons construire des relations plus saines, plus équilibrées, plus humaines, simplement plus humanistes entre la France et l'Algérie. Et sache récemment, une conférence nationale de la transition présidée par M. Abdelaziz Al-Habi a eu lieu. Est-ce qu'elle est terminée? Bon, si elle est terminée déjà, c'est grave. Si elle va reprendre après, c'est ce que nous souhaitons. Nous avons un message à M. Rahabi. M. Rahabi, avec vous, nous avons, vous personnellement, nous avons l'intime conviction, une intime conviction si forte qu'elle est devenue quasiment une certitude, que vous serez contre la dotation, la discussion de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bien. Nous espérons nous tromper. Mais nous vous demandons de poser la question de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, de la surévaluation de la monnaie et du risque de guerre, du risque de partition de l'Algérie, à tous les conférenciers que vous recevrez de s'exprimer. Et nous vous demandons de la manière la plus formelle d'inviter l'actuel gouverneur de la Banque d'Algérie et les trois précédents de vous brosser un topo, vous donner une perspective, de faire un topo sur les anciennes politiques monétaires et ce qui attend l'Algérie. Ce qui attend l'Algérie, est, si ça continue comme ça bien sûr, est dramatique. Nous avons qualifié la politique monétaire et celle de la santé de fasciste. Nous avons été radicalement, depuis 2014, que nous avons été radicalement contre la dévaluation de dinar et nous le maintenons. Notre dévaluation de dinar, notre opposition radicale. Et nous allons revenir sur la déclaration, là, sur la planche à billets.
Dans une paraphrase, le chef d'état-major a déclaré que ceux qui disent un pouvoir civil et non militaire est un slogan de l'étranger. Vous avez entièrement raison, général. Oui. Parce que l'expérience égyptienne n'a pas fonctionné. L'expérience soudanaise et sud-soudan n'a pas fonctionné. Vous avez entièrement raison. Vous avez tout dit. Vous avouez que ce mouvement est piloté de l'étranger. Et vous le savez, mais vous ne pouvez pas le dire. Parce que vous subissez des pressions tellement immenses que vous ne pouvez pas aller au-delà. Mais que signifie ça? C'est l'annonce, c'est un prélude à la violence. Parce que maintenant, comme dans le contrat de Rome dans lequel Hussein Aït Ahmed, nous vous le rappelons, Hussein Aït Ahmed, en plus d'être un politique, un opposant, ça ne nous intéresse pas. C'est un génie. Il a prévu une clause de garantie dans le contrat national de Rome. Maintenant, ce sont ceux qui exercent des pressions sur vous, que ce soit des organisations internationales, les ONG, comme Amnesty International, Reporters sans frontières et d'autres. C'est-à-dire, si vous exercez la violence, on vous fait ça, on va vous dénoncer pour vous affaiblir. Mais d'un autre côté, les institutions financières et les intérêts financiers qui s'intéressent à l'Algérie, à l'économie algérienne, qui veulent apprendre, hein, ils veulent apprendre. Ils vont vous pousser à la dévaluation du dinar, etc., à déclencher l'inflation, et vous allez la déclencher. Si vous continuez comme ça, les Algériens, jusqu'à maintenant, ont résisté. Vous en demandez de prouver que vous êtes les puissants en Algérie, c'est-à-dire que vous êtes les maîtres de la situation, que vous allez bloquer ces manifestations, parce qu'ils ont besoin maintenant de stabilisation. Les forces étrangères ont besoin d'un pouvoir puissant et non pas fort. Parce qu'un pouvoir fort, c'est celui qui est soutenu par son peuple. Ils ont besoin de la puissance. Dans le langage théorique et diplomatique ou supranational, c'est ce que nous appelons la gouvernance. Au lieu que l'Algérie se dote d'un gouvernement responsable, ses institutions et ses forces veulent la gouvernance. Parce que, première raison, elles en ont marre de la bureaucratie algérienne. C'est pour cette raison que vous avons, parmi les ministres et les premiers ministres qui sont actuellement à l'isolement, parlent de gouvernance, non pas de gouvernement. Parce que pour eux, d'un point de vue économique, les coûts de la corruption sont exorbitants. Parce qu'ils veulent accélérer la cadence des investissements étrangers en Algérie. Ce sont des investissements de courte durée. Ils vont faire leur beurre en Algérie, casser l'Algérie et repartir. Parce qu'ils vont venir à travers les hedge funds. C'est pour cette raison que vous avez touché à tout, sauf aux compagnies internationales et sauf aux joint ventures. Aux sociétés de capital mixte, joint ventures, qui touchent à l'agriculture dans le sud. Bien sûr, ils vont venir avec le truchement de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de l'Émirat Arabe Unis, qui vont mettre de l'argent, du dollar. Parce qu'ils sont obligés. Nos compatriotes algériens serait avisé de constater que les printemps arabes ont touché les pays les plus vulnérables d'un point de vue économique et politique. Économique et politique. Égypte, Maroc, Tunisie, la Libye, l'Algérie. Mais ils n'ont pas touché les pays politiquement faibles, mais très riches. Les pays arabes. Le pays qui mérite un immense printemps, plus, il mérite un printemps et un été, un double printemps et un double été. C'est l'Arabie Saoudite. Je ressemble particulièrement au président de la République et au chef d'état-major.
nous avons fait une proposition pour prendre le ministère des Finances et de l'Économie avec des prérogatives de la Banque centrale, sous deux conditions, du moins, conditions principales. Vous, vous allez surévaluer le dinar de 20 à 25% et nous, nous allons le faire. Et nous allons casser la loi sur le risque de change. Et nous sommes... Vous n'avez pas accepté cette proposition. Et nous savons, dès que nous signerons cette décision, si nous avions le pouvoir, nous serons explosés pour nous exécuter. Comme ça, nos compatriotes sauront que la question de la majorité de l'Algérie n'est pas du tout un problème. C'est un élément fondamental de la solution. Récemment, nous vous avons proposé, dans une intervention filmée, de vous rencontrer pour parler de la dotation de l'Algérie, de la majorité de l'Algérie et de la dotation d'alimentation nationale bilingue, de la surévaluation de la monnaie, du risque de scission dans l'armée et du risque de guerre et de partition de l'Algérie. Vous avez... nous n'avons pas eu d'écho. Le seul écho que nous avons eu... c'est la fameuse planche à billets. Le ministre des Finances, qui était l'avant-dernier gouverneur de la Banque d'Algérie, a dit que nous avons arrêté la planche à billets momentanément. Dans une autre intervention, nous avons suggéré, nous avons même demandé, en plus d'arrêter cette planche à billets, la monnaie de singe, du papier toilette, pour nourrir les Algériens temporairement et les faire crever après. En plus, nous avons demandé à ce que l'argent qui est imprimé soit brûlé. En présence du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil du crédit de la monnaie, des membres du Conseil d'État, des Algériens lambda, citoyens ordinaires, les précédentes autorités politiques. Non. Maintenant, ce n'est même pas le gouverneur, c'est le ministre des Finances qui dit que la planche à billets demeure un levier important et non l'unique. C'est-à-dire, vous voulez de gré ou de force déclencher cette inflation à laquelle une hyperinflation à laquelle l'Algérie a résisté? Parce que dès que vous toucherez aux terres agricoles, avec combinaison de la planche à billets, même si aucune causalité ne peut être émise. Nous allons parler de Friedman tout à l'heure et de Keynes. Il suffit d'une panique. Et ce sera l'embrasement en Algérie. Les premières victimes en Algérie ont été enterrées. Arrêtons à tous les détenteurs de pouvoir de décision dans les services de sécurité. Nous vous demandons d'appeler à la paix, d'appeler à la dispersion éventuelle des manifestants, dispersion de leur propre gré. Mais pour l'amour de Dieu, n'utilisez aucune force de coercition pour faire capoter les manifestations. Laissez les Algériens manifester s'ils le veulent jusqu'à l'an 10 000. Ne les touchez pas. Laissez-les. Mais ayez le courage d'identifier clairement les déclencheurs et les manipulateurs de ces manifestants à travers certaines ONG. Et même maintenant, à ces ONG locales ou organisations internationales non gouvernementales, les internationales, plus les mécontents qui ont été mécontents
qui n'ont pas apprécié toute la série d'arrestations là. En Algérie, personne ne croirait, il y a quelques mois, que des grands noms célèbres, les grands noms, c'est l'histoire qu'il était, soient envoyés en prison. Nous profitons de l'occasion pour un appel à la sagesse, à la raison, à Maître Salah Debbouze, avocat. Salah Debbouze, nous avons échangé. Il ne dira absolument rien sur la qualité et le contenu de nos échanges. Votre grève de la faim a montré le peu de solidarité de votre corporation à votre cas. Votre grève de la faim a montré encore le niveau de déliquescence du système judiciaire et juridique en Algérie. Par le cœur, nous vous le disons, Rahmet al-Waldin habbas. Rahmet al-Waldin habbas la grève de la faim. Tenons un terme très algérien, même si ça en dit en français, ça mettre de bouse. C'est une connerie que vous faites là. L'Algérie a besoin de vie, elle n'a pas besoin de mort. L'Algérie a besoin de l'honneur des martyrs qui se sont sacrifiés pour elle. Et parmi ces martyrs, nous citons Alim Sidi. Ces derniers temps, si des compatriotes ont été arrêtés pour des histoires de drapeaux, le drapeau est un symbole à respecter. Mais il n'est pas immuable, pouvant le changer. Aucun Algérien, nous disons bien, aucun Algérien n'a parlé, n'a pleuré, n'a décrit le drapeau national comme l'Ounas Matoub. Aucun Algérien n'a produit une œuvre musicale pour le drapeau, pour son drapeau comme l'Ounas Matoub. Aucun Algérien n'a produit, ce n'est pas de la poésie, c'est de la démiurgie comme l'Ounas Matoub. Et pensez à ce qui lui est arrivé. Nous ne pensons pas à l'assassinat. Ça, nous savons qu'il a été assassiné en 1996. Et nous pensons à l'absence de la vérité et de la justice. Parce que la vérité sur l'assassinat de l'Ounas et la justice sur l'assassinat de l'Ounas ouvrira la voie à notre justice, ouvrira la voie à la rédemption, probablement ce dont a besoin dans notre pays. Et pour notre cas, l'Ounas est un peu plus ça. Nous disons l'Ounas, nous ne disons pas le Matoub l'Ounas. Dans notre cas, nous disons l'Ounas, tout simplement. C'est grâce à lui que nous avons reçu une obole de la part de Dieu. Tout à fait au début, nous avons parlé du Rwanda, de l'Algérie, ça fait mal. Parler de sa patrie comme ça, là. Hein? Nous avons parlé, dans les interventions précédentes, nous avons parlé de l'Assemblée nationale, de l'APN et du Sénat. Vous les maintenez en vie, alors que ce sont les deux structures qui ont causé, elles font partie des structures qui ont causé la ruine de l'Algérie, parce que ce sont elles qui votaient les lois. Vous pouvez mettre tous les Algériens en prison pour corruption, pour vol et détournement. Leurs avocats invoqueront des lois qui ont été votées par l'Assemblée et le Sénat, approuvées par le Sénat.
et ils seront acquittés. Si la justice fonctionnait bien, ils seront acquittés parce qu'ils n'ont fait qu'appliquer, qu'ils n'ont bénéficié que de la loi. Le blanchiment d'argent, le transfert de capitaux à l'étranger, la fuite des capitaux à l'étranger, il a été autorisé par des lois sur la monnaie, sur pression des étrangers. Et c'est pour cette raison que vous refusez de contrôler les comptabilités des compagnies multinationales installées en Algérie, parce qu'elles sont incontrôlables, parce qu'elles sont hyper complexes, elles sont hyper sophistiquées. Dans une ancienne histoire, nous avons commencé à nous intéresser à l'économie à l'âge de 16 ans, 17 ans, nous avons commencé à lire. Nous avons entendu parler de Milton Friedman. Nous sommes à l'aise avec ces théories. C'est ce que nous avons étudié. En gros, c'est ce que nous avons étudié à l'Université de Montréal. Nous sommes fascinés avec ça. Nous avons entendu une anecdote, blague. Une blague. Il dit, parce qu'il paraît, on aurait une anecdote, blague, vérité, nous ne savons rien là. Hein. Ce qui parle, on aurait posé la question suivante à Milton Friedman. Que feriez-vous si on vous confie l'économie algérienne? Sa réponse a été, je vais fuir. Nous espérons que c'est une anecdote, que c'est une blague. Il y a énormément de blagues qui circulent sur l'économie algérienne. Voici donc, pour une fois, nous avons lu un livre écrit par Milton Friedman himself et sa femme, Milton Andrew Rose Friedman. Rose Friedman, c'est l'épouse de Friedman, Milton Friedman. Bon, objectivement, un livre qui nous a laissé une bonne impression. Pourquoi? Dans ce livre écrit par Milton Friedman, hein, il n'a pas utilisé une seule fois l'expression générique en économie, hein, c'est ceteris paribus, other things being equal, ou en français, toutes choses égales par ailleurs. Bien, une autre expression en anglais à peu près, qui signifie à peu près la même chose, c'est business as usual. Dans ce livre, uniquement dans ce livre, il ne l'a pas utilisé. Parce que cette expression, elle casse tout là. Hein. C'est une expression qui est empruntée normalement à Alfred Marshall. Parce que l'économie est tellement complexe qu'on ne peut pas utiliser toutes les variables. Donc on sélectionne, on coupe. Voilà. Deuxième élément de satisfaction, il n'a pas déblatéré sur la rationalité. Troisième, nous avons la preuve que Milton Friedman, que l'esprit américain dit par Milton Friedman est somptueux. L'Algérie serait inspirée de transférer les cinq premiers amendements, on va dire comme ça, la liberté, la liberté, la religion, liberté d'expression bien sûr, la religion, sur la législation par le gouvernement, c'est-à-dire législation par ordonnance, et les cinq premiers amendements, l'Algérie serait très inspirée de les ramener en Algérie. Copier tel quel, hein, copier-coller. Bah. Et arrêter avec ces histoires de la France qui utilise l'islam et toutes les religions dans ses colonies pour faire un sujet de guerre. Chez les anglo-saxons, la religion, vous pouvez croire en qui vous voulez, vous êtes libre de croire en qui vous voulez, et juste keep cool, hein, slow down. L'autre expression, dans ce livre, nous avons dit que nous lisons que Milton Friedman a dit que l'inflation est d'origine exclusivement monétaire. Dans ce livre, Milton Friedman dit que c'est une
proposition, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un théorème, ce n'est rien. C'est une proposition qu'il faudra ajouter. Donc nous avons lu sur Friedman, bien sûr, à une autre occasion, nous allons le démolir. Milton Friedman, c'est donc sur son lit de mort qu'il a regretté d'avoir défendu sa théorie quantitative sur la monnaie. P égale MV. C'est sur son lit de mort. Nous pensons qu'il a été éduqué dans la pure tradition américaine, dans le challenge américain, cassé du John Maynard Keynes. Hein? L'école de Chicago, d'inspiration Friedman, réputé avoir démoli le Chili de Salvador Allende. Qu'est-ce qu'il dit sur le Chili? Bon, il faut que nous le retrouvions dans page 253 sur le Chili. Sont à mes voisins de discovery of the internet, de rapid increase, etc. etc. China. Ah! A far more extreme inflation contributed to the overthrow of Allende in Chile in 1973 and of Isabel Perón in Argentina in 1976, followed in both countries by the assumption of power by a military junta. Il dit, le cas extrême, c'est que l'inflation a contribué à la chasse, to overthrow, à l'éjection de Salvador de Allende en 1973 et de Isabel Perón en Argentine en 1976, appuyé par des juntes militaires. Ce qu'il n'a pas dit ici, c'est que l'école, les Golden Boys de Chicago, qui ont été formés à l'Université de Chicago, ont pris les rênes de l'économie au Chili même, en 1970, dans les universités chiliennes. C'est-à-dire, ce sont des Chiliens qui ont été formés aux États-Unis d'Amérique, à Chicago, à l'Université de Chicago, qui sont rentrés au Chili, qui ont pris les rênes de l'économie chilienne, ils ont imposé la doctrine de Friedman. Il ne l'a pas dit. Ça, il ne l'a pas dit. Ce qu'il n'a pas dit aussi, que les élections au Chili ont été si démocratiques que ce pays s'est retrouvé dans une situation ingouvernable. Les deux partis de droite au Chili ont eu respectivement 33 et 36%, c'est-à-dire à eux deux, ils ont eu 69%, ce qui constitue la majorité absolue. Et le parti de gauche, appuyé de Salvador Allende, appuyé par les communistes chiliens, ont eu 37. Donc, en termes de majorité relative, c'est le parti qui a gagné les élections qui doit présider, en d'autres termes, Salvador Allende. Mais en s'alliant, les deux partis ont cassé Friedman. Qu'a fait Salvador Allende? Il a autorisé l'augmentation de salaire alors que les États-Unis d'Amérique ont exercé des pressions économiques terrifiantes. En autorisant l'augmentation des salaires, plus la rareté des produits, c'est l'hyperinflation qui s'est déclenchée. Donc, général en Algérie, faites gaffe à ce scénario, catastrophe. À ce jour, le Chili ne s'est pas remis sur pied, là. Cette gauche algérienne qui ne fait absolument rien, qui ne sert absolument à rien, sauf à voter des lois et à appuyer le gouvernement. Plus rien. Doit se calmer. Les Algériens doivent batailler dès maintenant à demander une baisse des salaires, des hauts salaires, bien sûr. Et non pas à augmenter les bas salaires. Les moments seront durs. La situation de l'Algérie, elle a été tellement compliquée par ce qui s'est passé depuis février
qu'elle est devenue inextricable. Donc, que ceux qui vont nous écouter ce que nous disons ne nous font pas dire ce que nous n'avons pas dit. Nous n'avons pas dit que c'est Salvador Allende qui a causé l'inflation, les pressions des partis de droite, les pressions des travailleurs. Parce qu'un travailleur, il s'en fout, droite, gauche. Quand il a faim, il a besoin d'argent pour acheter des produits. Et quand il a faim, il a besoin d'argent, ça veut dire qu'on doit lui donner un peu plus. Et les prix vont augmenter. Donc, au bout de 2 mois, 3 mois après, il va crever de faim. Il a été poussé. Probablement. Il a été poussé. Parce que Salvador Allende s'est suicidé. Donc, ils peuvent vous raconter tout, mais c'est les raisons intimes, Salvador Allende les a emportées avec lui, là. Le con, qu'est-ce qui s'est produit en 1973? Le chanteur, l'artiste engagé, nous excusons auprès de sa mémoire et pour son épouse, là. L'artiste engagé, Victor Jara, ce sont les militaires qui lui ont coupé les mains avec une hache. Écoutez la chanson de Tlatoub Dibsa, l'a décrit. Probablement que Victor Jara, dans la naïveté de son cœur, dans la générosité de son combat pour les pauvres, est parti trop loin. Donc, parti trop loin. La noblesse, il faut aller tout le temps très loin dans la noblesse. Et il a servi de victime expiatoire. L'exutoire pour les militaires chiliens. Ils l'ont buté. Ensuite, il a été fusé dans un stade. Nous espérons que ça ne va pas se reproduire. Sur le nous allons arrêter là. Page 143. Milton Friedman écrit: "Egalitarians in the United States may object that the fewness of communes and their fragility reflect the opprobrium that a predominantly capitalist society visits on such communes and the resulting discrimination to which they are subjected. That may be true for the United States, but as Robert Nozick has pointed out, there is one country where that is not true, where, on the contrary, egalitarian communes are highly regarded and prized. That country is Israel." Bon, le baratin, ce qui a été dit sur la littérature, on s'en fout. Ce qui a été dit, c'est Robert Nozick. Robert Nozick est un philosophe américain. C'est le théoricien des règles justes. Il a passé toute sa vie à s'opposer à la théorie de John Rawls, qui était les résultats justes. Robert Nozick, règles justes, et John Rawls, résultats justes, en philosophie. À la fin, bien sûr, il a regretté lui aussi de s'être opposé à John Rawls. Un exemple concret des résultats justes, des règles justes et des résultats justes. Prenez un Algérien qui touche 50 000 dinars par mois. Vous lui faites un impôt de 10%. Donc, à la fin du mois, un impôt mensuel sur le revenu mensuel de 10%. Donc, à la fin du mois, il doit payer 500 dinars. 50 000 dinars, il paye 500 dinars. 50 000, divisé par 10%. Voilà, c'est ça. Vous prenez la même personne, une autre personne qui touche 500 000 dinars. Elle va payer 10 fois plus. La règle est juste. Maintenant, si nous prenons les impôts de ces deux personnes qui sont différentes, qui ont des revenus différents, et que nous investissons cet argent dans un hôpital, et que les coûts de santé sont devenus payants. Qui va bénéficier des soins à l'hôpital? C'est le plus riche.
La règle est juste, le résultat est faux, d'un point de vue justice. L'autre cas, c'est les routes, l'investissement dans les routes. Milton Friedman a bataillé pour un système scolaire payant, un système éducatif payant. Il a bataillé dans ce livre. Maintenant, si les présidents des États-Unis d'Amérique ont attendu Milton Friedman pour faire des États-Unis d'Amérique ce qu'ils ont fait, ce qui est actuellement, les États-Unis d'Amérique, essayez de les imaginer dans quelles conditions. Mass immigration. Eisenhower, page 23, pardon. Eisenhower, shortly afterwards, in January 1958, in a special message to the Congress from President Eisenhower on education, dans un message spécial au congrès du président des États-Unis, Eisenhower, on education, argued that national security requires that the federal government must play an emergency role. Dans un message d'urgence adressé au congrès, le gouverneur Eisenhower a dit que l'État fédéral doit intervenir d'urgence pour jouer un rôle important dans le système éducatif. It's vital because a major key to our nation's future development and progress, whether in relation to peace or to defense, soit pour la paix ou la défense, is our supply of well-educated manpower. Nous avons besoin d'une main-d'œuvre éduquée. En parlant de Milton Friedman, maintenant, bien sûr, nous avons lu un autre de Keynes, Keynes Aspect of Modern Man and His Work. Keynes est très critiqué. Hein? Keynes est un révolutionnaire de l'économie. Nous sommes plutôt, si on nous posait la question, est-ce que vous êtes pro ou anti-Keynes, nous sommes plutôt pro-Keynes. Bon, il y a des aspects chez Keynes qui sont très difficiles à maîtriser. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau de maîtrise. Qu'il s'agisse de la croix keynésienne, qu'il s'agisse de la croix keynésienne, du full employment, du plein emploi. Là, nous avons des problèmes d'acceptation théorique. Keynes a passé sa vie à faire dans l'art. Il a passé sa vie à faire, du moins, il a aidé dans sa vie à faire de l'art. Il a soutenu, la page 5, en tout cas, dans ce livre-là, Keynes, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il a tout fait pour dynamiser le CEMA, qui concerne les artistes. C'est une association pour les artistes en Angleterre, en Grande-Bretagne plus exactement. Il a tout fait pour les finances, du moins pour leur trouver des financements, etc. Il a justifié leur rôle dans l'épanouissement de la cité anglaise. En plus de ça, Keynes, il est écrit ici, Keynes was a rebel and a revolutionary. C'était un rebelle et un révolutionnaire, John Maynard Keynes. C'est vrai que ce sont des amis intimes à lui qui parlent de ça, c'est de professeur d'économie. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est intéressant ici, il a remis en cause la condition de Marshall Lerner. En 1945, il a dit que ça ne fonctionne pas, c'est une idée, mais pas une théorie. Et ça, la condition de Marshall Lerner pour la stabilisation de la balance des paiements, ça, c'est ils ont massacré l'Algérie avec ça, avec la dévaluation. Nous l'avons dit auparavant, nous l'avons dit et répété. Nous n'allons pas refaire dans les redites. Ensuite, on a été quelqu'un sur une subtilité, une connerie. On attaque Keynes. Keynes aurait dit, il l'a dit, qu'il faudra payer des travailleurs à creuser des trous et à les reboucher.
à creuser des trous et à les reboucher. C'était une boutade de 15. C'était Tonton Pouce 15 était. C'était un artiste dans le sang. Un artiste, John Maynard Keynes. Mais c'était un gueulard, un forain gueule. Et il ne sait pas faire. Actuellement, l'Algérie est en plein dedans, là. Avec tous les partenaires publics privés, là, hein, les Algériens doivent recreuser toutes les autoroutes pour les reboucher, parce que les travaux ont été mal faits. Bon. Ce qu'a dit John Maynard Keynes aussi, on le sauve. On le sauve. Maintenant, on va lire tout ça, hein. If wages were pushed up above the rise in productivity of labor, the prices would tend to move up, whereas the old orthodoxy would suppose that if the market forces give you too much or insufficient aggregate demand, the market will itself correct this. Là, Keynes attaque carrément la régulation par le marché, par les forces du marché. Keynes, le marché n'existe pas là, c'est une invention, c'est l'esprit là, du moins, c'est une vue d'esprit, etc. C'est histoire de marché là, hein. On bassine avec. Nous avons qu'il y a un marché d'automobile, là, Dijlabin, Haqbou, Sidif, nous le savons. Il y a un marché noir de la devise. C'est quoi? Ça, il faut remonter à 2013, hein. Soit quand ils ont décidé de stacker au marché informel, et ils n'ont pas touché au marché de la devise au square, à Tajnant, etc., etc. John Maynard Keynes n'a jamais fait référence à Adam Smith. Mais par contre, Friedman, on a usé et abusé. The invisible hand, la main invisible. Il renvoie tout à la main invisible d'Adam Smith. Pour nos chers compatriotes d'Algérie, Adam Smith n'a utilisé que deux fois cette expression invisible hand, main invisible. Il l'a écrite une seule fois et il l'a prononcé une seule fois. Il l'a écrit une seule fois et s'est collé à Adam Smith. Adam Smith. Pour nous, là, il y a. Adam Smith est apparemment le gourou de Milton Friedman en éludant complètement Ricardo, page 35, David Ricardo. Ah, c'est très important à le dire là, parce qu'on va vers du Ricardo en Algérie. The final victory in the battle came 70 years later in 1846 with the repeal of so-called corn laws. Le retrait en 1846, c'est le retrait de la loi dite sur les corn laws, la loi sur le blé, tout ce qui est grain, hein, blé, maïs, etc. Ça, c'est une loi qui a été défendue par les frères Thornton, Henry and George Thornton. Un Thornton est un banquier, un autre est un politique. En tout cas, c'est deux frères. Un est un banquier, un autre. Les corn laws, c'est l'arrêt des importations du maïs, du blé, des pays. Alors que David Ricardo a bataillé fort pour que cette loi ne soit pas votée pour maintenir les prix bas. Parce que la conséquence a été l'exploitation des terres non fertiles en Angleterre, ce qui a fait augmenter les prix, etc., etc. L'augmentation des prix en chaîne, l'augmentation des salaires et toute l'inflation. Donc, on demande des investissements, plus de taxes, etc. Donc, ça fait l'affaire des banques. Ça, en lisant ce livre de Milton Friedman, vous allez croire que c'est Adam Smith. Adam Smith n'a rien à voir avec Corn Laws.
En 2015, quand nous avons analysé le programme d'ajustement structurel dans la famille, dans une forme un peu décontractée, nous étions, notre ivresse à l'époque nous a un peu perturbés. Nous avons parlé du problème de l'autarcie, dit que probablement que les Algériens doivent se retrouver, doivent vivre l'autarcie. Les Japonais l'ont vécu. Nos compatriotes d'Algérie doivent se remettre à travailler la terre. Diplômé ou pas diplômé, quiconque a un lopin de terre doit le cultiver. Parmi les meilleurs moments dans notre vie, ce n'est pas pour nous vanter ou quoi que ce soit du temps où nous étions dans des projets informatiques à Alger, très importants, à ce qu'on peut Emedis, l'Union Européenne, General Motors, etc., au Conseil d'État, tout le monde qui est là. Le week-end, la période de congé. Grâce à la solidarité familiale, nous faisions un peu, nous avons fait revivre notre lopin de terre que nous avions, Un tout petit lopin de terre de rien du tout. Hein? On était, en plus de notre autosuffisance familiale, famille privée, hein? Toute la famille, on échangeait avec les cousins, ceux qui ont fait des fruits, nous avons fait des légumes, etc., etc., les olives, les zemmour, etc., etc., tout ça. C'était bien. C'était les... Bien sûr, nous avons participé à la main d'œuvre, travaillé avec Chapa, Agilzim, Bala, Ansou. Nous avons travaillé ça. C'était parmi les meilleurs moments, peut-être probablement dans notre vie. Bon, il y a des moments, du moins dans le domaine du travail. C'est les meilleurs moments. On travaillait donc. Nous avons des amis, des connaissances qui sont devenus. Ça nous gêne de parler d'argent quand il s'agit de travailler la terre. La terre rend riche. Elle rend riche. Ainsi, malheureusement, dans notre pays, dans nos esprits, là, nous mesurons la richesse par de l'argent. Dégueulasse. La terre rend riche. Elle nous fait aimer la patrie. Il y a des dictons de chez nous que nous avons oubliés. C'est-à-dire, quand vous travaillez la terre, vous faites du bien, vous êtes généreux, vous êtes altruiste là, vous allez laisser la part aux passants, vous allez laisser la part aux oiseaux. Tout ça. Chers compatriotes d'Algérie, en demandant bien sûr aux forces qui détiennent les rênes de la violence légale en Algérie, parce qu'elle deviendra une violence illégale. Nous vous demandons d'éviter la violence, non pas plutôt de l'éviter, de vous interdire d'utiliser la violence contre les Algériens. Allez-y vers la paix, allez-y vers la protection du Sud. Protégez les soldats algériens. Chers compatriotes d'Algérie, c'est très dur. Nous allons continuer à travailler pour notre patrie. Nous n'allons pas la laisser s'enfoncer comme ça. Nous ferons ce que nous pouvons, ce que nous pourrons. Mais sans justice, rien ne se fera. Tant que les autorités politiques algériennes actuelles n'ont pas réagi à la valeur du dinar, pourquoi la valeur du dinar? Parce que les régaliennes. Il faut surévaluer le dinar. Baisser les hauts salaires. Il y a quelque chose d'illogique. Vous n'allez pas maintenir des hauts salaires à des députés, des sénateurs qui ont ruiné le pays par leurs lois. Vous n'allez pas maintenir de très hautes pensions à vie et de très hauts salaires à... Ça nous gêne de parler de ces mots, de ces bassesses, de ces conneries-là. Ça nous gêne. À des ballons qui se retrouvent en prison. D'un côté, vous les condamnez à de la prison, d'un autre côté, vous leur laissez des salaires élevés. Il ne faut jamais toucher à la dignité humaine.
parce qu'il y a des familles derrière. La dignité humaine est sacrée. Ils ont besoin de vivre, mais ils ont besoin de vivre dans un pays juste. Mais pas avec des salaires de 50 millions, je sais, nous avons quoi. Nous avons lu des autres informations. C'est des bombes. Et nous ne voulons pas en rajouter là. Chers compatriotes d'Algérie, pour l'amour de Dieu, arrêtez ces manifestations. Et nous nous adressons particulièrement à la ville de Béjaïa. Vous êtes devenu une bouilloire. Vous êtes un chaudron. Vous voyez, c'est devenu un chaudron qui est en train de bouillir. Attention, que ce soit les années 80, les années 2000, la tragédie vécue dans le sang, Béjaïa, on a connu. S'il vous plaît, la majorité de l'Algérie doit devenir une force et non une menace. Nous avons lu dans la presse que l'Algérie... qu'il y aura une formation d'enseignants additionnelle de formation, former autant de que vous voulez d'Algériens à Tamazir, la langue. Ils seront utiles pour l'avenir. Mais continuer à enseigner Tamazir dans le primaire, c'est de la connerie, c'est de la bullshit, ça c'est d'un point de vue économique. Et c'est une menace extrêmement grave pour la cohésion nationale dans le futur. L'enseignement de Tamazir doit être transféré au supérieur. Ce sera plus efficace, plus rentable. Et la majorité de l'Algérie n'est pas concentrée à Tizouzou, à Bgayeux. La majorité de l'Algérie est partout en Algérie. Elle est dans les OS, elle est dans le Bzab, elle est dans le Hogar surtout. Elle est à l'ouest de l'Algérie, elle est à l'est de l'Algérie. La Kabylie n'est qu'une petite surface. Et avec toutes les migrations que nous avons vécues, que la Kabylie a vécu, même plus que les autres régions. Et avec la mixité, avec les langues. Pour l'amour de Dieu, protégez l'Algérie. Protégez l'Algérie surtout d'être... Évitez le sang, évitez la guerre. Parce que nous sommes sûrs, nous sommes quasiment... Nous pouvons faire la démonstration qu'un autre mouvement, un cycle de déstabilisation collective des pays arabes, on voit. Attention, l'Algérie est sur le bord de l'explosion. La France et les États-Unis d'Amérique font peser énormément de menaces sur le pouvoir algérien actuellement. Nous n'allons pas les dire toutes, parce que nous ne les connaissons pas toutes. Nous connaissons au moins 6. Parmi ces 6, il y a la Cour pénale internationale. Nous avons travaillé sur la CPI dans un document en anglais, sur des livres en anglais. La CPI, on peut l'oublier ça. 2, les fortunes en France. 3, l'arrêt de la coopération militaire. Les Américains arrêteront de nous fournir, à l'armée algérienne ce qu'ils appellent les vues infrarouges là, les vues nocturnes, le mouvement des terroristes là. Et la France va laisser un couloir terrestre ouvert à partir du nord du Mali. Il suffit de quelques étincelles au sud. Et la situation va dégénérer. Nous allons pleurer notre patrie. Mais nos armes ne serviront absolument rien. Nous allons travailler pour notre patrie. Parce que nous l'aimons. À la fin, l'énorme.